l'Association de la construction du Québec affirme qu'à la CQ, toutes vos questions trouvent des réponses, offrant à ses membres un partenaire d'affaires dévoué qui les accompagne dans chaque facette de leur entreprise. Dans le cadre de sa stratégie de recrutement et de fidélisation des membres, la CQ a lancé en juin 2022 sa campagne « C'est quoi être bâtisseur d'avenir ?», mettant de l'avant 5 thématiques pour les entreprises de construction. Être innovant dans ses pratiques, notamment par l'intégration de nouvelles technologies dans son entreprise, se soucier de construire de manière durable, s'assurer d'un environnement de travail sain, sécuritaire et stimulant pour tous, favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion au sein de son entreprise, rejoindre le plus grand réseau associatif de l'industrie en devenant membre de la CQ. Pour appuyer cette campagne, plusieurs contenus ont été développés, y compris une série de vidéos, la CQ sur le terrain, et une série de balados, entre deux chantiers, animés par Anaïs Favron. La campagne est également diffusée sur différentes plateformes numériques et imprimée partout au Québec et a recueilli plus de 7,5 millions d'impressions, plus de 675 000 visionnements de vidéos et 2700 écoutes de balados. La Sécu s'est alliée avec la Factory, École des sciences de la créativité, pour offrir une nouvelle formation afin de stimuler la créativité et l'innovation dans le secteur de la construction. Le programme est conçu pour aider les gestionnaires et les entrepreneurs en construction à devenir des leaders en matière d'innovation, et ce, peu importe la taille de leur organisation, dans le but de bâtir le Québec de demain. La plateforme numérique éligible 360 de la Sécu permet aux entreprises de construction de répertorier les programmes de financement auxquels elles sont admissibles. Cet outil regroupe plus de 150 programmes d'aide financière fédéraux et provinciaux, et la Sécu a également ajouté un service gratuit d'accompagnement avec un conseiller qui fait, entre autres, un survol des différents paramètres du programme ciblé et répond à toutes les questions des entreprises. Les efforts de la Sécu vont au-delà des services offerts à ses membres et s'étendent à l'ensemble de l'industrie. De fait, la Sécu appuie des initiatives plus vastes et forme des partenariats pour promouvoir la participation des femmes dans toutes les facettes de l'industrie de la construction et attirer de nouveaux travailleurs. Récemment, la Sécu a créé une série de capsules web pour présenter des femmes inspirantes qui travaillent dans l'industrie de la construction au Québec et dans le monde entier. La tournée Bootcamp Construction, qui a débuté à l'automne 2022, a accueilli plus de 359 participants dans 5 régions du Québec et a récolté près d'un million d'impressions. Après avoir célébré une victoire dans le dossier des paiements rapides à la suite de l'adoption du projet de loi 12, la Sécu collabore également avec ses partenaires et la Société québécoise des infrastructures pour mettre au point des dispositions visant l'introduction d'une clause de rajustement des prix de certains matériaux. En se penchant sur les questions de main-d'œuvre, les enjeux juridiques, la santé et sécurité, la formation et bien d'autres dossiers encore, la Sécu démontre son engagement ferme à répondre à toutes les questions de ses membres.